Bien le bonjour les rideaux, aujourd'hui c'est la première vidéo de 2019 et on va essayer de faire ça bien, c'est ma nouvelle résolution. Et on est déjà 7200 au moment où je vous parle, donc ça grimpe très très vite, c'est génial, donc prochain objectif forcément 8000, c'est bien, vous suivez. Voilà, très content de ce chiffre, très content de vos retours global sur mes vidéos, tout se passe bien, c'est merveilleux. À l'occasion de ces 7000 abonnés, d'ailleurs, vous avez vu, j'ai aussi investi dans de l'éclairage, mais c'est pas encore au point. J'apprends à connaître mon matériel, c'est pas si simple que ça. On est tranquille entre nous, il manque plus que la petite bière, mais bon, si je commence à boire des bières avec des flingues à la main, on va être embêté. Oui, vous avez vu? La classe, hein? Ouais, je me suis lancé dans la production de pulls en fait. Non, je rigole. Je me suis fait un petit cadeau de Noël, comme ça je trouvais ça assez sympa, et puis j'avais besoin d'un pull, donc ça tombe bien. Donc voilà le petit logo de la chaîne ici, alors je sais pas comment ça rendra à la caméra. Bon, globalement je suis satisfait, par contre c'est vrai que l'impression du logo est basique, c'est vraiment une sorte de matière bizarre posée sur le pull. C'est pas un rendu très très pro, je trouve. J'aurais aimé que ce soit plus ancré dans la matière, voire même cousu. Donc si vous connaissez des sites ou des gens qui font ça de manière un peu plus qualitative, je suis preneur, dites-le moi dans les commentaires, parce que j'envisage de le faire en grosse quantité, avec différents modèles, pourquoi pas vous en faire gagner dans des concours, donc ça pourrait être sympathique. Il y a le logo devant, et derrière on a le slogan de la chaîne, paix, amour et gros calibre, avec un petit pistolet. Alors on a également notre petit tapis de nettoyage Glock, hein, fort sympathique. Traditionnel, voilà, qui fait très bien le travail. On reste dans les basiques. Salut Orelsan. Je vous rappelle que l'entretien, ça fait partie de la sécurité puisque ça permet de réduire les risques d'incidents mécaniques ou de casse de pièces, etc. Une vidéo légèrement sponsorisée puisque Armenet, donc une société de produits d'entretien et de rénovation pour les armes à feu, m'a envoyé des produits et a souhaité que je les teste. Armenet, hein, on voit la marque ici, le logo, voilà, tout en bas de la bouteille. Donc ils m'en ont envoyé deux, alors ils en font il y a une dizaine de produits différents, mais ils m'en ont envoyé deux. Donc je vais vous parler que de ceux-ci, hein, vu que c'est les seuls que j'ai. Donc vidéo sponsorisée, donc ils m'ont fait un petit chèque de 10 000 €, franchement ça m'a refait mon début d'année. Non je rigole, ils m'ont pas fait de chèque, ils m'ont juste envoyé ça. Mais bon, Armenet, si vous voyez cette vidéo, si vous voulez me faire un petit chèque, il n'y a pas de souci. J'accepterai volontiers, surtout qu'il faut que je m'achète une caméra, donc voilà. Donc on va tester ça aujourd'hui sur mon Glock et mon AK. Alors l'AK, ça va être pour la rénovation puisqu'ils m'ont envoyé un produit dérouillant phosphatant. Je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Donc crosse mécanique et canon idéal métaux ferreux pardon. Donc ça c'est un produit de rénovation. Élimine des surfaces de métaux ferreux de toute trace de rouille, désoxyde donc ça. Dissout les oxydes ferreux et ferriques qu'il transforme en sel soluble et stable. J'ai rien compris. Il forme une couche protectrice anti-corrosion dont la tenue dans le temps est de plusieurs semaines. Il peut être utilisé en application directe au pinceau ou en immersion directe. Et on a aussi des plombs, entretien qui sous forme d'un spray, là c'est sous forme de liquide, un peu comme un pot de peinture. Entretien intérieur des canons et barillet, élimine les résidus de poudre, également poudre noire, cuivre, plomb, zinc, tombac, nickel, acier. Donc ça nettoie bien, nettoie, ça lubrifie, ça protège, ça élimine les résidus de poudre, sans silicone, sans PTFE, sans graphite, entretien intérieur des canons et barils. Donc ça a l'air sympathique. Donc il y a un petit texte, qu'il s'agisse de chasse ou de tir, vos armes s'encrassent au fil des tirs et les résidus divers qui s'accumulent à l'intérieur des canons et barillets peuvent réduire leur performance, voire les endommager. Ce produit dissout et neutralise les résidus de combustion qui se déposent à l'intérieur des canons au fil des tirs. Il dépose également un film protecteur qui agit comme une barrière anti-corrosion. Ce qu'il faut que je précise par rapport à ces produits, à tous les produits de la gamme Armenet, par contre, c'est qu'ils sont tous fabriqués en France. Donc ça, c'est assez sympathique. On sait tous que le marché de l'armement en France est en fort déclin. On perd petit à petit tous nos marchés, que ce soit pour la production des armes à feu ou des véhicules de notre armée, et même des usines qui ferment, qui sont délocalisées, etc. Donc c'est bien, bon, on n'est pas sur des armes à feu, mais c'est quand même bien qu'un produit lié au commerce des armes à feu soit fabriqué en France. Donc on va commencer par le Glock. Le Glock dans son petit holster assez sympathique avec blocage ici. Donc on va procéder à la mise en sécurité de l'arme. On enlève le holster. Le chargeur, il y a des balles dedans, c'est normal, vous inquiétez pas. Hop, vérification de la chambre. Donc je vais bloquer la culasse, ça sera plus simple, comme ça on va le faire ensemble. Vérification visuelle et tactile. Voilà, je vous le montre. Je sais pas si vous voyez, mais tant pis, il va falloir me faire confiance. Percussion vers un endroit sûr. Alors là, le voisin, il est dans sa douche, ça devrait aller. Je rigole. Là, c'est un endroit sûr, il n'y a rien du tout. Voilà. L'arme est sécurisée. Et ben, on va démonter. Hein. Bon, de Glock, vous savez, rien de plus simple. Voilà, on n'en parle plus. Alors bon, là, je vais me concentrer uniquement sur le canon. Hein. C'est juste pour vous montrer l'efficacité du produit. Je ne vais pas faire un nettoyage complet de mon arme, précis, etc. En vidéo, ça va être nul pour tout le monde. Donc, on peut voir que mon canon est assez dégueu. J'espère que vous le verrez. Alors là, je filme pas avec mon GoPro, je filme avec mon téléphone. Pour une fois, on va essayer. C'est un téléphone assez vieux, hein, c'est le Samsung Galaxy S5, je crois. C'est pas le S6, je suis plus sûr, mais voilà. Donc c'est déjà assez vieux, on est plus sur un téléphone haut de gamme. Hein. Donc comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien m'acheter une caméra, mais ça coûte cher. On va procéder à ça avec ce petit produit. Alors c'est parti pour le canon. Alors ce que je vais faire, moi, comme je suis maniaque, je vais préalablement déjà laver un petit peu mon canon pour enlever le plus gros. Hein, avec déjà un petit écouvillon, on va frotter, ça fait pas de mal. Voilà, donc c'est l'écouvillon fourni dans la maille Glock, hein, donc l'écouvillon officiel. Bah déjà rien qu'un coup d'écouvillon ça fait déjà un peu de travail. Donc j'ai des petites serviettes en papier assez résistantes qui me servent de patch, hein, qui sont assez sympas. J'en suis un peu. Oui, j'ai du WD40 sur la table. C'est un produit qui est très très utilisé, hein, dans le monde de l'armement, dans le monde de la mécanique, dans le monde de tout ce que vous voulez. C'est un produit miracle, je vous en ai déjà parlé. Donc, vous voyez, il supprime les grincements, chasse l'humidité, nettoie et protège, dégrippe les pièces rouillées, desserre les mécanismes coincés. Donc finalement c'est idéal pour une arme à feu dans sa globalité, parce que ça remplit toutes les missions qu'on peut demander à des produits d'entretien pour une arme. Son seul inconvénient, c'est que par contre, son petit côté lubrifiant laisse un film que certains n'apprécient pas. Et c'est un solvant qui peut attaquer à terme certaines pièces plastiques des armes qui sont vraiment fragiles. Mais honnêtement, ça fait des années que je l'utilise, que ce soit des armes anciennes, des armes modernes, en plastique, en métal, avec du bois, tout ce que vous voulez. J'ai jamais eu de souci avec. Par contre, il faut quand même l'utiliser avec parcimonie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre votre arme, faire comme ça, en mettre partout, tremper et faire une friteuse. Clairement, c'est pas bon, ça reste des produits légèrement toxiques. C'est pas bon ni pour vous, ni pour l'environnement, ni pour votre arme. À utiliser avec modération et surtout intelligemment. Hein, mais vous pouvez prendre WD-40 ou un produit d'entretien haut de gamme, entre guillemets hors de prix que vous voulez. Si vous l'utilisez pas correctement, ça servira à rien. Donc je le prends, bah, vous voyez, on va commencer par un petit coup dans le canon avec celui-là, comme ça, ça sera sympathique. Un petit coup d'écouvillon. Vraiment, comme je vous l'ai dit, j'enlève le plus gros avant de mettre le produit là, puisque j'ai envie que son efficacité soit maximum, donc je fais un pré-lavage. Parce que ce que je fais là, c'est pas ça qui va nettoyer vraiment de manière drastique un canon, il faut bien être d'accord, même si c'est déjà pas mal du tout. On est déjà sur une bonne base là, et on peut voir d'ailleurs que le canon est déjà beaucoup mieux. Hein. Je vais passer un coup de mouchoir dans mon canon pour enlever le plus gros du produit WD-40, parce que j'aime pas trop mélanger les produits, c'est pas ce que ça peut faire. Pour ceci, je vais me la faire à l'ancienne. Regardez, un mouchoir plié, torsadé. On va essayer de l'amener au bout. Je ne sais pas si je vais y arriver. Le coup de chiffon lui a fait déjà pas mal de bien. Le canon est nickel. On va donc appliquer du produit un peu partout, notamment sur la rampe ici. Je sais qu'il y a pas mal de résidus. Le petit embout est précis, la pression est parfaite, c'est très bien. On est à l'aise dans la pulvérisation, ça c'est cool. On n'en fout pas de partout. Application agréable, en tout cas ça c'est déjà un bon point. Et ben écoutez, on va laisser reposer 5 à 10 minutes comme c'est écrit sur la machine. On va laisser 10 minutes, comme ça on est sûr. Et voilà, je vous dis à tout de suite. Nous revoilà, donc ça agit bien 10 minutes. On va essuyer tout ça, on va voir ce qui se passe. On va passer un premier coup d'écouvillon pour commencer. Bon, ça a l'air très propre tout ça. On va passer maintenant un coup de chiffon. On va utiliser le chiffon que tout à l'heure, il est bien sec. Surtout que maintenant qu'il est déjà passé, eh ben, il va repasser encore plus facilement. Attention, c'est la sortie du chiffon. Hop. Alors, il y a un peu plus de noir, de traces que tout à l'heure. Essuyez l'extérieur aussi. Alors le produit là que j'ai mis ressemble énormément au WD-40 de par son odeur et de par son évaporation. Hein, il s'évapore très très vite. Le mouchoir qui était en dessous, qui était tout à l'heure imbibé, est maintenant tout sec. C'est impressionnant. Donc j'essuie un peu partout. Là il peut y avoir des recoins. Ici notamment on a une certaine accumulation. Oula, là il faut que je frotte. Ah, donc j'ai toujours avec moi ma petite brosse à dents, hein, de bricolage, qui apporte un petit côté brosse douce assez intéressant. Voilà, là, ça me paraît nickel. On va repasser un coup d'écouvillon. Et ben voilà, effectivement, on a un canon qui est nickel. Le canon est vraiment propre. Je vous laisse constater la propreté du canon. Franchement, c'est nickel. On va passer à ça. Alors par contre, c'est des précautions d'emploi. Équipez-vous de gants et des lunettes. On va s'attaquer à la rouille sur mon AK. Alors je vous rassure, mon AK n'est pas complètement rouillé. J'en ai un tout petit peu sur le frein de bouche suite à un mauvais stockage après l'utilisation de munitions corrosives. Donc j'ai clairement cumulé les problèmes. Donc on va démonter ce frein de bouche. Donc comme d'habitude, vérification sécurité. On ouvre. Donc pas de chargeur, vérification visuelle et tactile, pas de souci. Hop, on percute. Démontage du frein de bouche. Bon, la petite AK, on va la remettre ici. Donc frein de bouche avec quelques traces d'oxydation. Je vais nettoyer pour que vous voyez mieux. Hop, bon pour ça on va utiliser un ancien chiffon. Voilà, bon là vous voyez que c'est clairement bien dégueulasse. Alors je sais pas si vous le verrez, mais en fait ici à la sortie, dans la partie plate, il y a une légère trace d'oxydation, il y a du orange, une légère trace de rouille. Comme d'habitude, je vais commencer par nettoyer un peu la pièce pour enlever le plus gros. Et un peu de WD40, comme d'hab. Bon voilà, j'ai légèrement nettoyé la pièce avec du WD40. Elle est sèche. On va maintenant appliquer le petit produit qui est ici. Équipez-vous de gants et de lunettes. Ce qu'on va faire, appliquez abondamment le produit sur la surface ou pinceau par trempage. Laissez agir 15 minutes, en trempage 30 minutes si conseil. À l'issue de ce temps, la pièce doit être recouverte d'une couche de phosphate, donc des sels blancs déposés sur la surface, et tous vos points de corrosion doivent avoir disparu ou noirci. Brossez ou cardez les points ou zones noircies, rincez abondamment la surface à l'eau claire, essuyez la surface avec un chiffon propre et laissez la pièce finir de se sécher à l'air libre. Il faut renouveler l'opération s'il y a toujours des traces. Il précise que ce produit n'attaque pas les surfaces saines. Une fois la surface totalement bien sèche et dérouillé, passer une couche de finis ou d'arme lube ou voilà, ou alors après voilà de WD-40 ou de des plombs, un produit qui va protéger, nourrir, etc. Voilà, un produit classique on va dire. Là la pièce est parfaitement sèche, on va s'équiper pour l'utiliser. La pièce est là, donc moi j'ai des points de corrosion uniquement là, je vais essayer d'en mettre un peu partout, mais très peu, puisque la pièce est quand même légèrement pas trop attaquée. On va ouvrir ce fameux produit, qui a une petite sécurité sur le bouchon, je le souligne. On va se prendre le bouchon ici. Ce que je vais faire, c'est qu'en bon bricoleur que je suis, je vais renverser dans le petit bouchon, on connaît, hein. Je mets le produit ici, le bouchon ici, j'ai pas de pinceau mais ça fera très bien l'affaire. Un mouchoir plié, et c'est parti, on trempe, donc ça absorbe énormément le liquide du bouchon. Et maintenant, on vient, oulala, oui, on vient déposer ici. Ou bah, j'ai une réaction immédiate qui se fait. Donc c'est vrai qu'effectivement, les gants, c'est intéressant puisque très vite exposé au produit directement. Si on tient la pièce sans gants, puisque ça coule, surtout sur une petite pièce. Hein. Donc on en prend encore un peu. J'en mets ici, je fais rentrer et imbiber. Voilà, j'ai des gants, j'en profite, j'ai pas peur. Alors c'est assez toxique, hein. Pas trop respirer non plus, faites attention. Voilà, la pièce est bien imbibée. On va laisser tout ça pénétrer. Pour après bien l'astiquer. Et c'était la blague bof, subtilité, finesse, ouais c'était la blague bof, plus drôle qu'un doigt dans les fesses. Allez, on se retrouve dans 15 minutes. Nous y revoilà environ 30 minutes plus tard. Donc je suis désolé, la caméra a planté, donc je refais cette prise, je viens de m'en rendre compte. Du coup on n'a pas les images, parce que du coup j'ai nettoyé la pièce, etc. J'ai fait tout le blabla en pensant que ça filmait, mais en fait pas du tout. Il y avait bel et bien des traces blanches sur la pièce que je vous avais montré, mais qu'on n'a pas à l'image malheureusement maintenant. Donc des traces blanches, donc j'ai essuyé la pièce avec des mouchoirs. Je vous rappelle que j'avais donc nettoyé la pièce avec du WD-40 et que les mouchoirs sortaient propres. Et là après le passage de ce produit et en laissant tremper, les mouchoirs sortent noirs, mais vraiment, hein. J'en ai fait plusieurs comme ça, donc il y a vraiment pas mal de noir qui ressort de nouveau. La pièce sort nickel, donc je l'ai brossée donc avec la brosse à dents qui est là. Je vais leur donner un coup, ouais, il y a encore du noir un petit peu. Le brossage permet d'enlever le plus gros, hein, ce qui peut rester du produit, notamment aussi des résidus, et enlever les sels phosphatés, c'est ça qu'il y avait écrit. Donc là on peut voir que la pièce est déjà vraiment nickel, on ne retrouve plus les traces de corrosion que j'avais tout à l'heure, elles ont été noircies. Pourtant le produit était clair et transparent, hein, je le rappelle, donc c'est pas de la peinture, ça marche pas comme ça. Ah, c'est nickel. Il conseille de le rincer abondamment la surface à l'eau claire, donc c'est ce qu'on va faire, et ensuite d'essayer avec un chiffon propre et de laisser sécher à l'air libre. On va faire ça. Donc j'ai rincé la pièce à l'eau claire. On va sécher encore une fois avec un mouchoir propre. Donc encore une fois lors du séchage on a encore quelques traces noires, mais beaucoup moins quand même, hein. L'eau a fini d'enlever le plus gros. Ah oui, en tout cas l'extérieur pour l'instant est vraiment nickel, bien mieux qu'avant. On va faire le filetage parce que je vous rappelle qu'on est sur le frein de bouche de mon AKM, donc il y a un filetage, il faut bien le nettoyer. Ah oui, non, c'est vraiment nickel. Donc là je nettoie encore un peu, mais... Donc il conseille de laisser sécher à l'air libre après d'avoir fait tout ça, ce que je vais faire. La pièce c'est nickel, vraiment, on n'a plus aucune trace de corrosion. Et là clairement à l'intérieur on voit qu'il est nickel quoi. Alors évidemment ça a enlevé la rouille, mais ça a aussi enlevé tout ce qui était trace de poudre, etc. C'est tout propre, hein, ça a absolument tout enlevé à part évidemment le métal. Super propre, on voit d'ailleurs, hein. J'espère que vous verrez, mais il n'y a plus aucune trace, il n'y a plus rien, c'est franchement très propre. Voilà. Encore une fois, je vous ferai une photo si on ne voit pas. Bon voilà les amis, on se quitte là-dessus. Donc je fais ce débriefing à l'arrache parce qu'effectivement, vous l'avez vu, la caméra est partie en vrille, c'est devenu flou. Elle a fait un focus et ça, il n'est pas revenu. C'est la fin de cette vidéo, je remercie tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, jusqu'ici. Je vous mets également dans la description le site pour les produits Armenet. Merci encore à Armenet pour le prêt du matériel. J'espère que cette vidéo vous a plu, ou du moins qu'elle vous a appris des choses, qu'elle vous a intéressé peut-être. Laissez un pouce bleu car c'est le meilleur moyen que je sache si mon travail vous a plu ou pas. Voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette nouvelle vidéo de 2019. Dans les commentaires du coup, vous, quelles sont vos techniques ou vos produits que vous utilisez pour l'entretien de vos armes. Mettez-moi aussi dans les commentaires si vous avez des contacts intéressants pour faire des pubs de qualité. N'hésitez pas à vous abonner, hein, go tous les 8000, ça je compte sur vous. Voilà, partagez cette vidéo, je vous dis à bientôt, bonne année 2019. Portez-vous bien, des bisous.